Oh! Hola los amigos, ¿cómo estás? Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct de Calafate, mais plus précisément du Perito Moreno. Et oui, je ne suis pas venu dans la région de Calafate pour rien. Je me suis pas tapé de l'autostop d'est en ouest pour rien non plus. Je suis venu visiter l'un des immanquables de l'Argentine, le glacier du Perito Moreno. Ça, c'est un truc vraiment à faire. Si vous venez en Argentine, faut descendre dans la ville de Calafate et ensuite trois options s'offrent à vous. La première, booker un tour, mais c'est assez cher, entre 2000 et 3000 pesos argentins. La deuxième option, rencontrer un local comme moi et j'ai eu beaucoup de chance, je vous expliquerai pourquoi. Et la troisième option, faire du stop, mais en sachant qu'on n'est pas en période estivale, il y a très peu de monde sur la route et également on n'est pas le week-end aujourd'hui, donc il y a encore moins de monde sur la route et je pense que si j'avais dû venir en stop, j'aurais bien galéré parce que de Calafate jusqu'au glacier, il y a à peu près 70 km, il faut rentrer dans un parc national, c'est vraiment pas à côté. Bref, c'est l'une des merveilles ici hein, d'Argentine, le Perito Moreno. J'avais envie de vous y emmener, donc vamos. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'hier je suis arrivé dans la ville de Calafate et que la personne qui m'accueille ici, que vous avez vu dans le vlog d'hier, juste ici, notre ami Franco m'a dit: écoute, demain je suis de repos, si tu veux, avec mes amis, on peut aller visiter le glacier. En plus, moi je ne suis pas de cette région, il m'a dit, je suis de Bariloche, ça fait 2 mois que je suis à Calafate et j'ai pas encore visité le glacier du Perito Moreno, donc on y va avec plaisir. Je dis pas, oh, quelle chance! Ok, vamos. Donc ça m'a coûté beaucoup moins cher que si j'avais réservé un tour et en plus je suis avec des locaux. Oh, quel régal. On a partagé l'essence, ce qui m'a coûté à peu près 150 pesos, ce qui fait plus ou moins 5 euros. Donc aller-retour, c'est vraiment pas cher. Et l'entrée, j'ai eu de la chance parce qu'ils ont négocié. Ils m'ont fait passer pour un Argentin. Du coup, j'ai payé que 300 pesos, ce qui fait 11 euros. Alors que normalement, quand vous êtes un touriste étranger, ça coûte 600 pesos. C'est environ 18 euros. J'ai eu beaucoup de chance, dis donc. Hein. Je me souviens, à Iguazu, j'avais payé le prix du touriste. C'était à peu près 20 euros. Donc voilà. Et bah, en tout cas, on est arrivé. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai en face de moi, ça déglingue. Et attention, je vous y emmène tout de suite. Petite leçon d'argentin. Una lección argentina. Una lección argentina. Si un jour, vous venez en Argentine, il ne faut pas dire boludo. No dice boludo a una persona. C'est très mal. C'est un truc qui se dit entre amis, mais pas à des gens que vous connaissez pas. Par exemple, on se connaît maintenant, je peux lui dire: tiens boludo, todo bien? Todo bien. Voilà. Mais si on se connaît pas, c'est un truc qu'il faut pas dire ici. Donc si jamais vous l'entendez, ne le répétez pas à n'importe qui. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai teasé le lieu, mais c'est pas grave parce que on va avoir des meilleures images tout de suite. Regardez-moi ça les amis, quelle merveille de la nature. C'est juste magnifique. Et dire que pour 11 euros en France, il y en a qui vont au cinéma, et ben moi je vais au Perito Moreno, c'est juste magnifique. Croyez-moi, je ne me suis pas tapé l'Argentine en autostop d'est en ouest pour rien. Voilà, je pense que durant ce voyage, j'en aurais pris des claques entre le Brésil et l'Argentine, entre tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu voir. Le seul petit problème aujourd'hui, c'est qu'il pleut, j'ai pas de chance. En général, franchement, dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu de la chance. Lorsque j'ai visité le Corcovado, il pleuvait pas, il y avait pas de brume, parce que normalement, il faut savoir qu'au Corcovado, il y a énormément de brouillard, et il y en a des fois. Ils montent jusqu'au sommet, et ils ne peuvent même pas apercevoir le Christ. Et ben moi, je peux apercevoir aujourd'hui le fameux glacier, mais il fait pas très très joli. Après, il faut savoir que la Patagonie, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que c'est un peu les 4 saisons dans une journée. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire beau. Bon, aujourd'hui, il pleut un chouïa. Oh, écoutez ça. En direct. En fait, ce qui est fou, c'est que des fois, il y a des bouts
du glacier qui se décroche et qui tombe dans l'eau. Et ça fait un iceberg droit devant. Mais il n'y a pas de Titanic. Heureusement pour la catastrophe. C'est fou, c'est vraiment beau. Et puis là, t'as le lac qui est turquoise. C'est incroyable ce jeu de couleurs entre, bon, malheureusement, le temps qui est gris, la neige au-dessus, le blanc, le bleu du glacier. Oh, oh, en direct là-bas, ça s'est décroché. Et la couleur azul, bleu ciel comme ça, clair, vert, t'as un mélange de tout, du lac. Génial. Après la pluie, le beau temps, le soleil qui commence un peu à pointer le bout de son nez et c'est juste spectaculaire. La vue commence à se dégager, c'est magnifique. Et la dame en fait qui prend des photos là-bas, elle m'a dit « Mais tu sais, quand il y a beaucoup de soleil, on voit pas grand-chose en fait parce que le glacier reflète trop le soleil. » Elle m'a dit « Au final, t'as de la chance parce que là, c'est le temps parfait pour que tu puisses admirer la vue. » Et là, mais... ça s'est dégagé, mais c'est juste trop beau. T'as un glacier, mais à perte de vue, quoi. Oh, c'est magnifique. Et ce qui est drôle, c'est que... alors, effectivement, une fois que tu viens ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, ce sont des petits chemins qui sont tout tracés où à chaque fois, t'as un point de vue qui est différent où tu peux prendre des photos, admirer le glacier. Tu peux pas te rapprocher vraiment plus en bas. C'est interdit de passer les barrières, bien évidemment. Et mes potes argentins, eux, ils sont arrivés, boum, 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 ils ont pris 2-3 photos. Ils ont kiffé vite fait le glacier et ils sont repartis déjà. Alors que moi, non. Je prends mes vidéos, je prends mes photos. Et après, hors vidéo, je suis là, je profite quoi. J'ai pas fait 18 000 km pour venir en Argentine pour rester 2 minutes. Et je me suis pas tapé 2 jours d'autostop pour rester 2 minutes. J'ai envie de profiter de mon moment quoi. Regardez cette pureté, cette merveille de la nature. Pff, bah vous savez quoi, la claque, je vais me la mettre en direct. Voilà, magnifique. Alors moi qui ai eu la chance de visiter la Nouvelle-Zélande, et bah ça me fait énormément penser à la Nouvelle-Zélande, ce type de paysage, des glaciers, un lac turquoise, de la montagne. D'ailleurs, j'ai des photos de Nouvelle-Zélande sur mon Instagram, si vous voulez aller jeter un coup d'œil et faire des petits curieux. Et c'est fou parce que d'en haut, on a l'impression d'être grand, mais plus tu descends vers le point de vue le plus bas, et plus tu te rends compte bah, que en fait, t'es une merde, quoi, t'es minuscule comparé à la nature. Et ce qui est fou, c'est que par moment, t'entends des sortes de bruits d'explosion. C'est juste des bouts de glacier qui se décrochent et qui tombent dans le lac. Et c'est magnifique. Ça te fait un spectacle incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Le seul mot, ce serait impressionnant. Et bien écoutez, vous savez quoi, les amis? Nous, on va rentrer, il est temps. Ça y est, on va prendre le chemin du retour. Pour moi, c'est sûrement mon dernier jour ici, dans la zone de Calafate. Je me dirige toujours vers le nord de l'Argentine avec la frontière avec la Bolivie. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez pris une énorme claque comme moi, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment à mettre des likes, faites-moi un peu kiffer. Putain les potos, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Et pour suivre mes actualités, ça se passe sur mes réseaux sociaux, juste ici à côté du glacier. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenko, Snapchat, c'est Benenko Snap. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Les vidéos du Brésil, Uruguay, Argentine sont disponibles juste ici. Je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous en pensez. Si vous les avez vus, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, 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 n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et croyez-moi que tout ce qui m'arrive, c'était vraiment pas prévu. Le fait de venir à Calafate, rencontrer les Argentins que j'ai rencontrés, la journée d'hier. Ça, je devais le faire, mais je pensais que j'allais faire l'autostop ou un tour, je savais pas que j'allais venir avec eux. Enfin voilà, tout ce qui m'arrive, c'est fou. Et venez à Calafate, Perito Moreno, si un jour vous êtes de passage en Argentine, parce que... oh, petite explosion en direct pour la fin. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Voilà, c'est sur ça qu'on se laisse. Ciao, ciao. We'll be right back.